J'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. Je viens de rentrer du travail, donc il est 17h23. Ouais, donc du coup, c'est pour ça, il fait nuit. Les volets sont déjà fermés. Il fallait que j'allume, que je regarde la lumière pour bien qu'on me voie. Voilà, donc l'hiver arrive, hein, il fait froid et tout. Bref, alors, donc cette vidéo pour vous présenter mon bilan d'octobre. Donc, j'ai bien lu, vu que j'ai lu. 11 livres, 6 BD et un manga. Ouais, je crois que c'est ça. Je me rappelle plus exactement du nombre exact en fait. Mais ça doit tous avoir droit. Bref. Alors, donc, j'ai fini au mois d'octobre. Donc, Chat-Noé de Loris Murail aux éditions Scrinéo. Donc là, c'est l'histoire de Louise qui est électrosensible. Donc en fait, elle est malade, elle a toujours des mal à la tête, toujours elle se sent pas bien. Jusqu'au jour, enfin, il trouve sa maladie, donc elle est électrosensible et voilà. Donc son père cherche un endroit où il n'y a pas d'onde. Mais c'est rare et en fait, il tombe sur le château du Ruet qui, là, il n'y a aucune onde. Donc le téléphone ne passe pas. L'électricité, il a dû tirer des câbles pour en avoir un peu. Bref, donc voilà. Donc ce château, bah, comme il n'y a pas d'onde, il relève du mystère. Et donc on va, voilà. On va voir ce qui se passe dans ce château. Donc voilà, pour moi ça fut une très belle découverte. J'ai bien aimé. Donc ensuite j'ai lu une BD que j'ai ramenée à la médiathèque, donc c'est Echo. Les auteurs, je m'en rappelle plus, mais ça sera sur la couverture. Donc là voilà. Donc cette BD m'a fait passer un bon moment. Les dessins sont très jolis, l'histoire est drôle. L'univers est intéressant, donc le monde miroir et tout, on découvre un nouveau monde. J'ai bien aimé et je me languis de lire le tome 2 pour voir ce que réserve la suite. Ensuite, j'ai lu donc Malenfer, tome 1, La forêt des ténèbres de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion. Voilà, donc là c'est un livre jeunesse parce que c'est à partir de 9 ans et c'est du fantasy. Donc il se lit super vite, l'histoire est intéressante, donc je me suis pas mis dans la tête que c'était un grand livre, bref, avec plein d'informations et tout ça. Donc voilà, j'ai bien apprécié ma lecture jeunesse. Voilà, je me suis dit je vais passer un bon moment et ça n'a pas raté, voilà. Je me suis pas pris la tête, ce fut une lecture sympa et rapide. Voilà. Ensuite, bien évidemment, vu que le film est sorti, j'ai lu L'épreuve tome 1, Le labyrinthe de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, ce fut une belle découverte aussi parce que l'histoire est vraiment intéressante. Tout un mystère autour du labyrinthe, des personnages, l'intrigue, leur identité, bref, une lecture très prenante. Et donc du coup, après, je suis allée voir le film, évidemment. Vu que je l'ai lu pour ça, d'abord le lire histoire de film. Donc voilà, j'ai passé un bon moment et j'avoue que j'ai pas le tome 2 et 3 dans ma palle et que je pense plutôt les demander du coup pour Noël. Comme ça, au moins je pourrais lire la suite et connaître la fin. Ensuite, une lecture encore jeunesse. Hein. Bienvenue au cast tome 2. Mes grands débuts de Pascal Perrier et Digli. Donc Pascal Perrier a créé l'histoire et Digli les illustrations. Donc pareil que dans le premier tome, hein, on a des illustrations au cours de la lecture avec des petits post-it pour les renseignements, en fait, des définitions au fait que ce soit au théâtre. Moi je ne connais pas tous les termes au théâtre, donc les post-it sont assez intéressants. Bref, donc voilà, encore. Petite illustration. Voilà, donc ça c'est. J'avais bien aimé le premier tome, et donc là on avait continué l'histoire de. Bon, avec plus comment ça s'appelle.
Non, oui. Non, parce que je sais qu'elle joue le rôle d'Éponine. Ouais, j'ai un bras trop, tiens. Pauline, voilà. Éponine, Pauline. Bref, donc Pauline, on suit son histoire, son parcours au cast. Donc pareil que le premier tome, c'est dans la continuité du premier tome. Si vous avez aimé le premier tome, vous pouvez adorer le deuxième tome, ça c'est sûr. Et donc là, on arrive. Donc là, il y a répétition pour le spectacle et tout. Donc voilà, on a l'envie de connaître la suite. Ensuite, pour finir une saga, Dividend. Donc c'est le tome 2 de Dualed de Elsie Chapman aux éditions Lumen. Donc là, on retrouve West. Combien de temps après? Quelques temps après le premier tome, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 1 ou 2 mois. Ouais, quelques mois après le premier tome. Donc, voilà. Donc, rien que le titre, l'accroche, c'est Le chasseur est désormais la proie. Bref. J'ai bien aimé cette fin. L'intrigue a été prenante. Pardon, un milieu un peu lent. Ouais. Je trouve le milieu un peu lent. J'ai eu un peu de mal au milieu, mais une fois arrivé à la fin, ouais, je n'ai plus le lâcher. Donc voilà, West. Et j'ai préféré West dans ce tome d'ailleurs. Donc, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé la dystopie, le fait par rapport des jumeaux. Bref. J'ai vraiment bien aimé. Le premier tome avait été une super découverte pour ma part. Et là, la fin, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Ensuite, une lecture que je ne m'attendais pas à autant aimer. Boys Out de Ravia Arum aux éditions Black Moon. Donc là, ce fut une très belle découverte pour ma part. J'avoue que depuis que j'ai lu ce livre, mon rythme de lecture est énormément revenu. Parce que voilà, j'ai lu les livres que je vous ai présentés avant. Je crois que celui-là, je l'ai commencé vers le 20 ou le 21. Donc 20 jours pour lire 1, 2, 3, 4, 5, 5 livres et une BD. Donc voilà. Donc là, par contre, après, j'avais bien kiffé après celui-là, Boys Out, puisque je l'ai lu en 24 heures, on va dire. Voilà, donc là, c'est une dystopie. Dans ce monde de femmes, les hommes sont interdits. Donc là, on rencontre Lyra qui s'entraîne pour chasser les hommes. En fait, les hommes sont sont inutiles en fait à la société. À part pour procréer, ils sont servent qu'à une chose. Pardon, ils ne sont pas inutiles. Ils servent qu'à une chose, c'est procréer. Procréer. Donc c'est pour ça que elle s'entraîne pour pouvoir les chasser. Mais voilà. Le jour des 18 ans, en fait, les filles doivent procréer. Et donc, c'est là où elles rencontrent un garçon. Et donc, tout ne va pas se passer exactement comme Lyra aurait voulu. Donc voilà, bref. Moi, en tout cas, j'ai adoré l'histoire. Le style de l'auteur est super prenant. Personnage intéressant. Bon, Lyra est un peu parfois casse-bonbon. Il y a juste la romance qui m'a un peu dérangée parce qu'en fait, j'ai trouvé que ça allait trop vite. Voilà. Ça a été le coup de foudre, tout est allé trop vite à mon goût. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que l'auteur aurait pu prendre plus le temps par rapport à la romance. Donc voilà. Mais sinon, ce fut une très très belle découverte pour ma part. Franchement, j'ai adoré l'univers qu'a créé Ravia Arum. Franchement, très très bel univers que j'ai bien apprécié découvrir. Voilà. Ensuite, je me suis penchée sur un peu un thriller. Donc, c'est Mauvais garçon de Lynwood Barclay aux éditions J'ai lu. Donc là, j'ai lu sans faire exprès en fait. J'ai reçu ce livre à la masse critique de Babelio. J'ai dû le cocher sans faire exprès parce que le thriller n'est pas vraiment mon genre. Et quand je l'ai reçu, j'avoue, quand je l'ai reçu, ouais, j'avoue que j'ai été très étonnée de voir que c'était un thriller en fait. Et bon, tant pis, je l'ai reçu, ben je l'ai lu. Et finalement, ben j'ai passé un bon moment. Voilà, je suis pas trop thriller, mais je suis bien contente d'avoir un peu changé de mes habitudes. Donc là, on rencontre Zach qui est journaliste et en fait, il va enquêter sur des vols de magasins de luxe.
Donc là, il va suivre en fait un détective privé. Et en fait, ben, il va se passer plein de trucs. plein de choses vont faire que l'histoire va se dérouler, qu'on arrive à la fin et tout le dénouement. Wow. Voilà. Donc à ce qui paraît, c'est pas le meilleur thriller de Newood Barclay. Bon, moi, je l'ai découvert avec celui-là. Mais j'ai vu quelques avis. À ce qui paraît, ce n'est pas son meilleur. Donc j'avoue que moi, j'ai bien aimé celui-là. Donc je pense, j'aimerais beaucoup découvrir d'autres livres de lui. Notamment un meilleur. Vu que, ce qui paraît, il y en a des meilleurs. Ensuite, retour aux jeunesses. Avec Monstre, tome 1, Cœur de Harpie de Hervé Joubert aux éditions Rajo. Donc regardez-moi cette couverture juste magnifique avec Milo et la harpie derrière. Bref, trop belle. Trop beau. Trop belle couverture. Très belle couverture, pardon, pas trop belle. Donc voilà, donc là en fait, Monstre, qui je n'avais pas lu d'avis avant de le lire, j'avais lu juste le résumé qui était derrière. En fait, Monstre, c'est l'initiale de 7 personnages qui sont dans le livre. Donc M pour Milo, donc là on découvre Milo, et les 7 personnages en fait, ils sont liés à des monstres. Donc là, on comprend que Milo est rattaché à Harpy. Donc ainsi de suite pour le tome 2, le tome 3 et tout ça. Donc en tout, il y aura 7 tomes. Mais bon, 7 tomes, et ils font à peu près dans les 200 pages. Donc ça se lit super rapidement. Je l'ai lu en une journée. Voilà. Je suis très contente d'avoir découvert cette saga. J'ai lu le premier tome. Bon, après, j'ai lu le deuxième tome, que je vous montrerai tout à l'heure. Mais franchement, très bonne saga. Donc, alors, ensuite, on part sur de l'humour. La femme parfaite est une connasse, tome de Le Retour, parce que la connasse ne meurt jamais. De Anne-Sophie Girard et de Marie-Aline Girard aux éditions J'ai lu. Donc là, c'est pareil que le premier. Si vous avez bien apprécié le premier tome, ben, lancez-vous dans le deuxième, je ne vais pas vous dire non. Hein. Donc, on a toujours des quiz, des. La femme parfaite est une connasse, quoi. On a toujours des quiz, des règles. Donc voilà, après on a toujours aussi nos fameux coupons à découper, voilà, par exemple. Bon. Donc par contre, j'ai trouvé que le premier était plus drôle. Je me suis plus reconnue dans le premier tome que par rapport à celui-ci, mais bon, ça reste de l'humour, donc on passe quand même un bon moment. J'ai bien rigolé, je me suis retrouvée dans certaines circonstances, évidemment, voilà, c'est obligé qu'on se retrouve un peu quand même, on va dire. Donc voilà, et manière, même si la femme parfaite est une connasse, il y a certaines situations que nous sommes des connasses, parce que dans certaines situations, je me suis plus vue dans la femme parfaite est une connasse, dans la femme parfaite en fait, mais bon. Pas toutes les situations, attention. Donc voilà, ensuite j'ai enchaîné donc avec Monstret, tome 2. Donc c'est de Hervé Joubert aux éditions Rajo. Donc là pour le haut, pour Onde, avec l'arme de sirène. Donc, donc là en fait j'ai découvert une sirène dans ce tome. Donc le tome 2 est beaucoup plus prenant que le premier tome, qui est le premier tome basé, quoi. L'auteur mettait en place l'histoire, donc voilà. Par contre, un seul petit regret, c'est qu'il n'y a pas assez de renseignements par rapport au monstre. Peut-être que comme il y a cet homme, peut-être qu'il va nous en dire plus tard, mais j'aimerais beaucoup parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de renseignements. Et voilà, un peu dommage. Mais bon, c'est un jeunesse, hein, donc ça se lit vite, ça se lit bien, et voilà. Donc ensuite, je me suis dit, tiens, un peu de DVD, vu que ça faisait longtemps, donc du coup, j'ai lu Hacherel, tome 1, Dragon de Valpe, aux éditions Delcourt. Donc ça, je l'ai emprunté à la médiathèque, hein, vu le prix des DVD, bien sûr. Donc là, c'est un peu, comment voir, une histoire sombre. Hacherel a un don particulier. Donc voilà, on découvre en fait les personnages, l'univers de l'auteur. Donc là, c'est juste la base. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc j'avoue que je lirai la suite avec enthousiasme pour découvrir la suite de HRL, quoi, pour savoir ce que deviennent les personnages. Voilà.
plus de batterie. Donc alors, petit problème technique, je n'avais plus de batterie, donc j'ai dû arrêter de mettre en pause la vidéo et reprendre. Donc après la fraise, toujours une BD, donc Princesse Sarah, tome 6, Balai Masque 2, Alouette, Moretti, Duclos, aux éditions Soleil. Donc là, c'est encore une saga empruntée à la médiathèque. Donc je sais que le tome 7 est sorti il n'y a pas longtemps, mais la médiathèque ne l'a pas encore, malheureusement. Donc j'espère vraiment qu'elle va l'avoir bientôt parce que vu la fin, je suis dégoûtée. Ouais. Voilà. Donc là en fait, Princesse Sarah, c'est pour le moment 8 tomes de prévu, je crois. Donc les 4 premiers sont Sarah quand elle est jeune. Et là pour le moment, donc jusqu'au 7, c'est quand elle est plus grande. Donc je sais pas si ça va jusqu'au tome 8 ou plus, je sais pas du tout. Je sais juste que les 4 premiers sont quand elle est jeune et la suite c'est quand elle est plus grande. Donc voilà, c'est une BD que j'aime beaucoup, je suis très contente de l'avoir découverte. Les dessins sont super jolis, l'histoire est juste géniale. Bref, Sarah, Princesse Sarah, je connaissais l'histoire de quand j'étais petite, notamment le film. Et voilà, je suis très contente d'avoir retrouvé cet univers, et notamment quand elle est grande, pour savoir, ben oui, quand on est petit, on se demande toujours qu'est-ce qu'elle devient plus tard. Et donc là, en fait, je peux le découvrir grâce à la bande dessinée. Ouais, je conseille vraiment cette BD. Même ceux qui n'aiment pas les BD, elle est très bien. Ensuite, je suis partie sur un petit comics. Donc c'est Amulette, tome 1. Le gardien de la pierre de Kazuo Kibyoshi aux éditions Akileos. Alors, je ne connaissais pas du tout. C'est une copine qui m'a fait découvrir en fait à la médiathèque. On est allées toutes les deux. Elle m'a dit, tiens, celui-là il est pas mal, si tu veux lire, c'est un petit comics et tout. Je fais, oh pourquoi pas, et tout, ça peut être pas mal. Et j'ai bien aimé. Donc là, on retrouve Emily et Navin, donc tous les deux sont frères et sœurs. C'est malheureusement un décès survient dans la famille, ils sont obligés de déménager, en gros. Hein. Et il va se passer plein de trucs dans leur nouvelle maison. Ils vont se retrouver dans un nouveau monde, en gros. Bref. Donc grâce à l'amulette, le titre donc amulette. Donc là j'ai bien aimé, franchement ça se lit super rapidement. C'est voilà, un comics très sympathique. Par exemple, voilà, j'ai beaucoup aimé rien que ce passage. Donc là ils arrivent dans leur nouvelle maison en fait, donc elle est toute sale. Et là il y a écrit, voilà, comme quoi en fait... vous êtes prêts, c'est quand tu veux maman, envoyer charger. Donc là, après il charge pour faire le ménage. Bref, c'est assez drôle et les dessins sont bien faits. J'ai passé un bon moment et je crois qu'il y a 5 tomes de sortie, donc je prendrai la suite volontiers à la médiathèque. Ensuite, retour à une BD donc avec Explorer tome 1 Ouija de Guérin, La Paire et Brandt aux éditions Soleil. Donc cette BD n'est plus vendue à part le tome 3. Je sais pas pourquoi, mais le tome 3 est toujours en vente et pas les deux premiers. Elle a pas dû marcher, cette BD, sûrement elle a pas dû marcher. Mais bon, mettre en vente le tome 3 et pas les premiers, un peu bizarre. Tant pis. Bon, en tout cas, j'ai trouvé la médiathèque. Donc là, on retrouve un groupe d'amis qui vont dans un château. Ouais, puisque c'est super grand. Et en fait, ils vont jouer au Ouija. Donc le Ouija, c'est le jeu où on appelle les esprits. Et en fait, ils vont se retrouver transportés dans un autre temps. Donc, ouais. Très bon. Enfin, tout se passe super vite, en fait. Mais bon, c'est une BD. Donc, le temps que l'auteur installe l'univers, que l'action arrive et tout. Donc, vraiment, tout se passe super vite. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment et c'est l'essentiel pour moi. Donc, je prendrai la suite à la médiathèque. Ça, c'est sûr. Ensuite. Donc, après les bandes dessinées, j'ai commencé enfin Flamme de Amy Kathleen Ryan aux éditions MSK. Donc là, Flamme, c'est le tome 3 de la saga Mission Nouvelle Terre. Donc le premier, c'est Glow. Ouais, Glow, Spark et Flamme. Bref, ça fait un long moment que je voulais le lire en fait, ce livre, pour enfin finir la trilogie. Et je me suis enfin lancée dans ce mois d'octobre, vu que j'ai repris le rythme de lecture.
Donc je me suis enfin lancée. Et quel plaisir de découvrir la fin de cette trilogie. Oh là là, franchement, je suis super contente d'avoir découvert cette trilogie et cette fin, elle est juste magnifique. Presque failli pleurer, tellement, et je suis super contente d'avoir enfin découvert cette suite. Il peut paraître un peu long au début car il n'y a pas spécialement d'action en fait. Les personnages, bon ben il n'y a plus qu'un vaisseau, en gros je raconte pas tout pour pas spoiler, il n'y a plus qu'un vaisseau, mais bon voilà, ils se retrouvent tous au même vaisseau et tous sous le même contrôle, et ouais, bref. Donc Glow est une dystopie que je recommande fortement, surtout avec la fin que j'ai eu au tome 3. Je suis super contente de cette fin, au moins l'auteur ne nous a pas mis une fin à la con, quoi. À la con, désolé du terme, hein. Mais bon, la fin au moins est une vraie fin. C'est ça que je voulais dire en fait. Ensuite, un petit manga que je me suis lu. Ça fait un petit moment que je voulais le lire, que je voulais le découvrir. Donc, c'est, je peux le dire comme ça, Judge, tome 1 de Yoshiki Tonogai aux éditions Kiun. Donc ça c'est un thriller qui avait reçu de très très bons avis. Et en fait ça fait un super long moment que je voulais le lire et je me suis enfin pris à la médiathèque. Et donc j'ai lu le premier tome, quoi, j'ai lu celui-ci et j'ai bien aimé. Donc je me prendrai certainement la suite à la médiathèque. Et ensuite je lirai certainement en double, vu qu'à lire. Donc d'abord finir celui-là, ensuite commencer double. Bref, donc là c'est un manga thriller. Comme en fait c'est, je sais plus combien de jeunes doses, non? Ou 9. 9 en fait. 9 personnes qui sont sous le masque. Et ils vont devoir se libérer de là où ils sont emprisonnés. Et je sens que ça va être balèze. Plus tard, pas dans le premier tome. Le premier tome, ça va, il est assez soft. Mais je sens que dans le deuxième tome, ça va être pas mal, pas mal. Donc voilà. Ensuite, une petite BD. Une petite ou pas. Les carnets de cerises, le tome 2, Le livre d'Hector de Joris Champlain et Aurélie Néré aux éditions. Je sais pas. Je sais que c'est la collection Métamorphose, parce que c'est écrit. Ouais, collection Métamorphose. Bon, mais peut-être les éditions Métamorphose alors. Ouais. Je regarde à la fin. Édition Soleil. Édition Soleil, collection Métamorphose. Voilà. Donc ça, c'est l'édition Soleil. À part si c'est écrit dessous ça. Bref, donc là c'est le tome 2. Le premier tome, j'avais beaucoup apprécié Cerise. C'est une jeune fille qui a beaucoup de créativité et qui a envie d'aider tout le monde. Mais bon, c'est vrai que étant jeune, pas spécialement plutôt envie de jouer au lieu de passer son temps à faire des enquêtes. Donc là, le deuxième tome, j'adore la couverture. Franchement, la couverture, le premier tome aussi, était juste trop belle. En fait, j'ai juste envie de lire l'histoire par rapport à la couverture. Non, je rigole. Non, l'histoire était vraiment aussi intéressante de ce deuxième tome. J'ai plus apprécié presque le deuxième tome que le premier. Donc c'est une BD que je recommande parce que c'est très joli, c'est trop mignon. Voilà. Et ensuite, encore un livre. Donc, oui, donc là c'est fini pour les livres. Ma lecture en cours, Le Passeur de Loïs Lowry. Donc, oui, parce que le film est sorti. Il fallait que je le lise. Donc, moi, je me suis pris le grand format parce que j'aime pas du tout la couverture du poche. Moi, ouais, j'ai eu plus de sous, mais bon, c'est pas grave. La couverture du poche ne m'intéresse, mais alors pas du tout. Et là, au moins, ça représente bien le film. Vu qu'en fait, j'ai fini le livre, vu que nous sommes le 3 novembre, mais au mois d'octobre, c'était ma lecture en cours.
Et je l'ai fini, je suis allée voir le film justement hier, et ouais. C'est un très très bon livre que je recommande, et le film aussi je recommande parce qu'ils sont juste tous les deux géniaux. L'adaptation n'est pas parfaite, il y a certaines choses qui ont changé, c'est évident, mais le livre est un très bon livre, et le film un très bon film que je recommande à tous de lire et de voir. Donc voilà pour mon bilan d'octobre. La vidéo va être super longue, c'est pas grave, ça me met du temps à charger sur YouTube, c'est ça le plus. Donc voilà pour mon bilan d'octobre, j'ai repris un livre de lecture comme j'ai déjà dit, et je suis très très contente de moi, donc j'espère que le mois de novembre va durer, que je vais garder ce rythme-là. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Pourquoi ma nouvelle vidéo sera mon e-mail box d'octobre, donc tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque en octobre. Et je peux dire qu'il y en a pas mal, malheureusement pour moi, vu que du coup ma palle grossit. Mais bon, tant pis, c'est ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne soirée.